Pour la 18e et dernière journée de la NFL, un match au sommet sur Canal. Les Giants de New York reçoivent les Cowboys de Dallas. Un bon test pour ces deux équipes avant d'aborder les phases finales. Pour être les premiers informés sur la 23e journée du championnat de France de football, ne manquez pas la reprise de Jour de foot, une émission qui, une demi-heure après coup de sifflet final, vous montrera tout sur la D1 et la D2. Du foot Tottenham-Manchester, Juventus-Rome-Séville-Barcelone, de la boxe avec le 100e combat de l'homme à la main de pierre, Roberto Duran, c'est le programme de l'équipe du dimanche. Et enfin, les finales des championnats de France de boxe. Une soirée en direct de Levallois que l'on appréciera de plus près grâce aux prouesses de la Loupe Canal. Oui, ce sera Levallois, on espère que ça sera sympa. Demain, donc, le rugby, c'est sur France 2. Raymond, vous avez passé une bonne soirée? Excellent. Et pour moi, bon, je suis d'accord même avec la note. Bon, un bon match, très tactique. Une bonne première mi-temps, supérieure à la deuxième. Peut-être une chose, en deuxième mi-temps, que le jeu a tout à fait ralenti. Ça a été lent, même, des deux côtés. Peut-être qu'Omersen dit très bien que peut-être la reprise, bon, la deuxième mi-temps a été plus lourde pour les deux équipes. Mais dans l'ensemble, une première mi-temps plus pour l'OM. Après l'exclusion d'Angloma, c'est le PSG qui a pris le milieu du jeu et s'est imposé, mais sans se créer vraiment d'occasion de but. Ben, si vous êtes content, Raymond, on l'est aussi. Donc, merci d'avoir été avec nous après avoir été sur Eurosport hier et d'avoir été avec nous ce soir. Bon, on était donc au parc, mais la soirée sportive n'est pas finie, car juste après, maintenant, on va vous montrer les KO de Canal+. On va vous montrer la présentation de Kaman Rufus, donc ce choc des titans qui va se dérouler le 5 février à Bercy, qui va enflammer tous les amateurs de la boxe pied-poing. Ici, on était en pas au parc. La réalisation était de Jérôme Revon. Il y avait nos deux souriants, Thierry Gilardi et Pierre Sed. Raymond Goethals qui souriait tout autant. Et c'était Jérôme Revon avec VCF pour vous offrir cette soirée que nous offrons également à TF1 maintenant. Allez, bonsoir, bonne nuit. Regardez, avant d'aller au lit, soyez sympas. Regardez un petit peu ce que c'est le kickboxing et ce qui va se passer à Bercy. C'est intéressant, puis ça dure même pas 10 minutes. Bonne nuit. Afflelou et moi, on est fous de foot. On est fous d'Afflelou.